Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au mic et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer des cristaux d'Ethereum. Alors il faut savoir que les cristaux d'Ethereum pour l'instant ils ne servent que à améliorer vos talents et quand vous aurez tout amélioré, vous ne pourrez plus en débloquer parce que tout simplement moi je peux plus en débloquer, tous mes talents sont au maximum donc je ne peux plus débloquer des cristaux. Cependant je pense que quand la saison 1 de Call of Duty Cold War arrivera, donc en zombie, en multi, etc., je pense qu'ils vont rajouter des trucs à débloquer avec les cristaux. Parce que sinon, pourquoi ils auraient sorti ce concept si c'est uniquement pour débloquer une seule fois tout et puis après ne plus s'en servir? Ce serait un peu bizarre. Donc je pense qu'ils vont quand même nous rajouter des trucs à débloquer, genre des camouflages ou je sais pas moi, une boutique avec des objets ou des camouflages ou des skins peut-être qu'on va pouvoir échanger contre des cristaux. Enfin, c'est mon avis personnel, je sais pas ce qui va se passer plus tard. Mais enfin bref. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est une vidéo que j'ai vue chez Algrano. Et en fait, il a répertorié, en fait, il a calculé le nombre de cristaux qu'on gagnait par chaque action. Donc par exemple, à la manche 11, dès que vous arrivez à la manche 11, vous gagnez un cristal. Ça, je l'avais déjà remarqué. Après, j'avais pas calculé pour le reste, donc vous gagnez un cristal à la manche 16, vous gagnez un cristal à la manche 21, vous gagnez un cristal à la manche 26, puis vous gagnez 2 cristaux à la manche 31, 2 cristaux à la manche 36, 3 cristaux à la manche 41, 3 cristaux à la manche 46, et vous pouvez gagner des cristaux aussi quand vous faites des extractions. Alors quand vous faites une extraction à la manche 11, vous gagnez un cristal. Quand vous faites une extraction à la manche 16, c'est un cristal, 21, c'est un cristal aussi. À la manche 26, vous gagnez 2 cristaux. À la 31, 2 cristaux. À la 36, 3 cristaux. À la 41, 3 cristaux. Et à la 46, 4 cristaux. Alors, ce que je pense, c'est que si on continue à la manche 51, je pense qu'on pourrait gagner 4 cristaux. À la 56, 4 cristaux. Puis après, à la 61, 5 cristaux. À la 66, 5 cristaux. Puis à la 71, 6 cristaux. À la 76, 6 cristaux. Etc., etc. Et je pense que c'est pareil pour les extractions. Donc si vous faites une extraction à la 51, vous gagnez 4 cristaux. Puis après à la 56, 5 cristaux. À la 61, 5 cristaux. À la 66, 6 cristaux. À la 71, 6 cristaux, etc. etc. Je pense qu'à chaque fois que vous passez 10 manches, vous gagnez des cristaux supplémentaires. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.